Vous savez combien on était à l'église en comptant la veuve? On était 7. Je sais pas si ça va te consoler, mais on sera pas plus nombreux à ton enterrement. Mais tu plaisantes? Non. Mais pourquoi tu dis ça? Pourquoi il dit ça? Sans doute parce que t'as pas d'amis. Mais enfin, tu veux voir mon agenda? J'ai 15 rendez-vous par jour. C'est qui ton meilleur ami? Mais j'en ai plein. Moi, je dirais qu'il n'existe pas. Tu paries quoi? Ton vase grec. Adjugé à 200 000 euros pour monsieur. Si d'ici la fin du mois, tu m'as pas présenté ton meilleur ami, je récupère le vase. 12 rue de Solferino. Bonjour, monsieur. Comment? Bonjour, monsieur. Excusez-moi, messieurs, vous êtes amis? Et alors, comment avez-vous fait? Faut être sympathique. C'est-à-dire? Ah non, si vous savez même pas ça, laissez tomber. Donc, je récapitule, sympathique, souriant. Voilà. Et sincère. C'est surtout ça qui compte, la sincérité. Il y a bien quelqu'un que vous pourriez appeler à 3h du matin. Mais non, il n'y a personne. Hein. Même si vous aviez un gros problème. Enfoiré! J'ai pas de gros problème. Ah bah si, vous pouvez appeler personne à 3h du matin. Et chauffeur de taxi? C'est tout de moi. En tout cas, c'est pratique, je l'appelle et tac, il vient. Il me reste 3 jours. Il se fait tard, je vais rentrer. Oh, pas question, tu vas dormir ici, j'ai plein de chambres d'amis. Ouais, ça, tu dois pas en manquer, ouais. Des chambres. D'abord, c'est quoi pour toi un meilleur ami? C'est quelqu'un qui prendra des risques pour toi. Même si c'est illégal. Moi, je trouve que l'amitié, c'est ce qu'il y a de plus beau. Une vraie amitié, quoi. C'est toujours pur, il n'y a pas d'arrière-pensée. Et voilà. Surprise!